m'appelle Nawel et je viens de Bruxelles. Ça s'entend pas trop, là. Hein. Non. Ouais, j'ai laissé mon accent là-bas. On le sait tous, l'accent belge est pas sexy. Bah ouais, t'as déjà vu un porno belge? Ding dong, ça sonne, ça doit être le réparateur de la machine à laver. Bonsoir, t'es le réparateur? Ben oui, t'as ramené ton matériel. Hein? T'es venu pour me déboucher les tuyaux? Allez, viens me casser la baraque à frites. Tu veux pas qu'on essaye un 99? Non, je veux pas, non. Cet accent m'a pas aidé plus jeune. Et ce qui m'a pas aidé, c'est d'être un vrai garçon manqué. Je vous assure, je me prenais vraiment pour un mec jusqu'à ce que la nature me le rappelle vers 12-13 ans quand j'ai eu mes queutrues. Vous voyez les filles de quoi je parle? Attends, moi, je savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je me souviens, je revenais du foot. Et là, pas wow wow wow. On m'a tiré sur la techa ou quoi? Putain. Allô? Ouais. Allô, ouais, ton quartier. Hein, viens, 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 il y a embrouille. Viens, viens, on m'a tiré sur la techa. Vas-y, viens au quartier. Viens, 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 nous sommes prêts pour des animaux. Viens. Je vous assure, j'étais un vrai garçon manqué. Et je me demande quel genre de maman je vais être. Parce que moi, ça démarre à n'importe quelle maman. Tu sais, je serai là avec mon bébé. Quoi, qu'est-ce que tu regardes? Eh ouais, on pousse. Je serai là avec mon bébé, tu vois. Et il y a ce genre de mec, tu sais, qui te drague et qui t'énerve. Je serai là avec mon bébé, tu vois. Je serai... Eh, mademoiselle. Excuse-moi, mademoiselle. Eh, mademoiselle. Est-ce que je peux avoir le 06 de ce joli boule? Je sais, mais enfin, vous voyez pas que je suis une maman? Vous voyez pas que j'ai un bébé, sincèrement, vous avez aucun respect. Quoi? Moi, sale pute, hé! Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là! Viens là, vieille merguez, viens là! Et mon enfant mourrait bêtement à la roumaine! Tu vois? Tu sais, et je me demande si j'aurais les mots d'une maman, tu vois? Viens là, ma chérie, qu'est-ce que je t'ai dit? De pas taper les autres enfants, ou sinon, maman, elle te nique ta race. Maman, elle te nique ta race. Quoi? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu veux, un câlin? Non, maman, fais pas de câlin. Maman, c'est pas un PD. Non, 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 non. Enfin, je vous parle d'être maman, mais avant ça, il faut passer par la phase accouchement. Tu vois? Et moi, c'est une vraie galère parce que je suis pudique. Et ce qui paraît dans la pièce, ils sont 5 à la voir comme toi, tu l'as jamais vu. Alors, j'ai trouvé une solution. Je vais accoucher seule, comme un cow-boy. Déjà, je vais accoucher comme ça. Parce que ça a plus de style, déjà. Je serai là comme ça. Chut, chut, dédicace au quartier. Poula. Hey. Les hommes, vous pouvez pas me comprendre. Non, parce que vous, la pudeur, vous connaissez pas. Hein. C'est vrai, hein. Vous, on passe une nuit avec vous, et puis vous sortez normal du lit. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu veux quoi? Un café ou un thé? Eh, hey, je vous assure, un jour, je suis sortie avec un black. Il m'a dit quoi? Tu veux un chocolat chaud? OK. Non. Les filles, l'homme parfait n'existe pas. Je vous le dis tout de suite, l'homme parfait n'existe pas. C'est fini, il est mort. Alors, j'ai décidé de monter une brigade, parce qu'il n'y a plus que des bâtards. Ouais. C'est la brigade anti-bâtard. Ce soir, c'est caporal lieutenant-chef Nawel Madani de la brigade anti-bâtard. Ouais. Ce soir, c'est pas chef, oui, chef, mais meuf, ouais, meuf. À chaque fois que je vais dire meuf, vous allez crier, ouais, meuf, meuf, ouais, meuf, meuf, ouais, meuf. Est-ce que vous en avez marre de leur calbar troué juste en dessous des boules, meuf? Ouais. Comme si leur boule avait des dents. Est-ce que vous en avez marre qu'en plein DVD, ils lâchent une caisse, meuf? Ouais. Je déclare la guerre au mec sale et au portefeuille sec. On veut plus de bâtards, on veut des canards. On veut plus de bâtards, on veut des canards. Mate pas les autres pétards. Mate pas les autres pétards. Baisse la cuvette, je te coupe la quiquette. Si tu sais pas aviser, assieds-toi pour pisser. Au resto, je veux une entrée. Au resto, je veux une entrée. Et une rose du Pakistan.